Salut les amis, c'est Nachty. Pouh, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode number 4 de notre grande série Nachty Gaming. Non, là, je me la pète un petit peu en fait. Voilà, donc comme prévu, on se retrouve, comme je l'ai dit, pour l'épisode number 4. Je joue avec le Cap 40. Et non, ce n'est pas une blague. Je joue avec le Cap 40. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui aiment pas se retrouver en face de joueurs qui jouent au Cap 40. Mais franchement, je m'en fous complètement. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le Cap 40? Le Cap 40 est une arme secondaire qui est plus que semi-automatique, qui est carrément automatique et qui fait des dégâts de dingue. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur cette arme. Sur cette partie, je l'ai joué avec juste un chargeur grande capacité. Donc au lieu de 15 balles dans le chargeur, j'en ai 20. Bon, ça change pas grand-chose, mais quoique des fois ça peut vous sauver la vie. Et Dieu seul sait que moi il m'en faut des balles pour toucher un mec. C'était une petite parenthèse. En atout, j'avais poids léger, gilet pare-balles, pillard, conditions extrêmes et masque tactique. Donc en fait, je fais que courir. Je cours, je cours, je cours. Je cours, je fais que ça. Et c'est tout ce qu'il y a à peu près à dire sur ma config. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une big, big partie. Donc voilà, hein, on va regarder ça ensemble. Et puis j'espère que vous allez en prendre plein les yeux. Parce que les pauvres mecs en face, ils mangent, malheureusement ils mangent. Voilà, comme là, je viens de faire un carnage, mais alors carrément un carnage. Les gens, ils savent plus où mettre de la tête en fait. Hein. Ils savent plus du tout où mettre de la tête. Ouais, je fais que ça. Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Je fais des séries de victimes, plus quoi savoir faire. Je suis le vengeur masqué, le sauveur, sainte père, Dieu, le père aussi. C'est un truc de malade. Franchement, j'ai kiffé. C'est incroyable. Lui, il a rien vu venir. Il a rien vu du tout. En plus, je prends tout le temps le même chemin. Hein. J'ai pas besoin d'un GPS ou d'une carte routière. J'étais en forme aujourd'hui, hein, parce que je vous dis, je cours pas tous les jours comme ça. Hein. C'est bien pour ça que je suis un gamer. Parce que là, je te dis pas, mon bonhomme, il a dû perdre 15 kilos à la partie là, mais. Je crois même que j'étais fatigué après cette partie, sans mentir. Hein. J'étais complètement crevé. Et je pense que les gens en face, ils étaient complètement dégoûtés, on va dire, de notre performance. Parce que comme vous pouvez voir sur la gauche de votre écran, je jouais avec plusieurs adhérents de la team For You. Donc normalement il devrait avoir Chef Chaudard. Et là je suis mort comme une grosse merde. Il devrait avoir Chef Chaudard, il doit avoir Buster 62, il me semble. Oui voilà, Chef Chaudard on le voit apparaître. Buster 62, le voilà. Petite dédicace hein, c'est des poteaux. Vraiment très très. C'est des très très gentils petits bonhommes. Et puis je crois que c'est tout. On était que 3, il me semble. Ouais, je pense qu'on était que 3. Donc on a fait une très grosse performance à 3. Hein. Je vais les mettre dans l'eau parce que c'est de très bons joueurs aussi. Et puis on s'est fait plaisir. C'est tout. C'est le mot du jour. On s'est fait plaisir. Bon, il y en a d'autres en fait qu'ils ont mangé. Mais bon, il en faut. Hein. Donc il y en a qui se fassent plaisir. Il y en a qui faut qu'ils dégustent. 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 Prochaine vidéo. On fera une leçon diction bien articulée. Vous voyez ce que je leur mets avec le Cap 40, c'est atroce quoi. Franchement atroce. J'aurais été à leur place, ça fait longtemps que j'aurais rage quit. Même si. Ah non, attendez, je viens de dire une bêtise, il y a aussi Oyo. Alors ça, Oyo, c'est Monsieur l'harmonica. D'ailleurs, petite dédicace à toi aussi, je le remercie parce que grâce à lui. En fait, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de changements dans les vidéos. Donc celle-là, c'est, je vais l'avouer, c'est une qui n'est pas en direct. Hein, je ne l'ai pas filmé en direct. Mais il y aura de plus en plus de vidéos filmées en live. Parce que, en fait, les vidéos d'avant, je me prenais, on va dire, trop la tête. J'essayais d'être sérieux, mais alors que c'est pas moi du tout.
Là, c'est un peu plus difficile de faire en différé parce que c'est un peu plus difficile. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais je vous promets que les prochaines vidéos, ce sera en live, enfin, ce sera filmé en live. Et je vous montrerai ma vraie personnalité. Pour vous donner un titre d'exemple, vous regardez Code Jordan. Bah, c'est moi, mais on va dire en peut-être pas 100 fois pire, mais je dois être un peu plus taré. Un peu plus taré. Donc, on m'a conseillé d'être moi-même, ce que je vais faire. Donc voilà, j'espère que ça va pas vous faire un grand changement. Comme vous avez pu voir aussi, il y a le partenariat qui est lancé. Donc à partir d'hier soir, donc vous auriez, allô le monde, vous aurez des vidéos sur les boss de WoW. Vous aurez des vidéos sur Seven Core. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi un MMORPG en free-to-play qui est gratuit. Même si on sait que free-to-play n'est pas totalement gratuit. Publicité mensongère. Bref, vous aurez aussi un peu de LOL. Et puis plein d'autres vidéos. En fait, ma chaîne, elle se transforme en multi-gaming. Bon, c'est sûr, c'est pas moi qui fera ces vidéos. Même si je pense me mettre un peu à tous ces jeux-là, mais beaucoup moins que BO2 ou des FPS. Mais comme ça toucherait une plus grosse communauté de tous les âges. C'est pas pour ramener le plus d'abonnés possible ou d'être le plus connu comme Monsieur le V12 ou peu importe les grands youtubeurs qui nous entourent. Mais c'est pour. Je veux que ma chaîne comment je peux dire, entoure, globalise vraiment le monde du jeu. Et j'espère que ça vous gênera pas. De toute façon, même si ça vous gêne, c'est pas grave, c'est comme ça. Non, je plaisante. Je pense que ça vous plaira. Il y aura un plus large choix de jeux, de vidéos. Il y aura des astuces sur plusieurs jeux. Petite parenthèse, la guilde Pandemonium sont des amis irréels. Et ce sont vraiment des personnes bien qui gèrent une très très bonne guilde dans leur serveur. C'est leur monde à eux. C'était le mien il y a quelques temps, mais j'ai dû arrêter. Mais ils sont là aussi pour vous. Posez-leur leurs questions. S'ils les voient pas forcément sur la chaîne, je leur poserai directement. De là, ils feront une vidéo pour vous expliquer votre question, hein, entre autres. Et puis j'espère que ça va se passer vraiment au mieux. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Donc voilà. Voilà la Nashti Me qui redébarque. D'ailleurs, je vais faire un petit clip sympa sur Nashti Me Me. Non, bref. Parlons un peu de cette vidéo parce qu'on est en train de s'égarer là, mais complètement. Excusez-moi, hein, comme j'arrête pas de le dire. Hein, la chaîne Nashi Gaming n'a pas de coupure, donc je bois en même temps mon café. J'ai le gosier qui est complètement sec. Merci. Donc voilà, donc là, il me semble, hein, comme je vous dis, c'est pas du direct là, il me semble que je vais le faire péter au C4. D'ailleurs, je serai deg, voilà. C'est le C4 aussi, hein, je venais de le découvrir dans cette partie parce que je joue pas forcément avec tout. Bon, maintenant avec la chaîne, je suis un peu obligé comment dirais-je? Et je commence à parler comme Charles Edouard, ça va pas se le faire. Comment dirais-je? Pour satisfaire tout le monde. Eh ben dis donc, celle-là, il est sorti de très loin, mon cerveau est en train de fumer. Voilà, pour toucher vraiment tout le monde, que ça plaise à tout le monde. Puis moi, ça me dérange pas, comme ça, je pourrais dire que j'ai touché à toutes les armes. De toute façon, je serai quand même obligé de toucher à toutes les armes, puisque mon objectif est de les avoir tous en diamant. Donc à chaque fois que je passerai une catégorie d'armes en diamant, elle sera filmée, elle sera posée sur la chaîne, que vous voyez un peu les armes diamant, à quoi elles ressemblent, si ça vous plaît ou pas. Il y en a qui sont peut-être un peu plus feignants et qui n'ont pas forcément envie de monter toutes leurs armes. Ils montreront forcément ce que celles qui leur plaisent le plus. Donc comme ça, vous pourrez voir si les pompes, ça vous plaît pas en diamant, bah, vous les montrez pas. Voilà, ce sera mon petit coup de pouce personnel. Et voilà tout. Celle-ci, donc, hein, c'est l'épisode 4. Parce que j'avais demandé dans l'épisode 3 de me dire quelle arme vous voulez que je vous fasse. Et puis, à ma grande tristesse, j'ai eu aucun commentaire là-dessus. Bon, en même temps, on n'est que 46 abonnés. Vous n'êtes pas forcément
forcément cloîtré chez vous en train de regarder les vidéos sur YouTube, quoique. Mais voilà, donc en espérant que vraiment mes abonnés, que ça augmente un maximum. Et puis j'espère que cette vidéo là vous a plu. Voilà, le score 45-12 avec le cap 40. Vous l'avez en main, vous faites une tuerie totale. Et puis sur ce, je vous dis ciao, bye bye les amis.